qui répond à l'invitation ce matin. Et nous saluons les policiers, nous saluons tous les membres personnels administratifs dans la police. Tout le monde qui a suivi, qui a écouté nous dans la diaspora, sur tout territoire national, pays, nous saluons. Nous avons abordé le deuxième point dans la conférence de presse, qui est la question de la banque de sang que Sinapo a été lancée dans le local Digicel le 12 juillet et passé. Nous avons gagné la deuxième étape dans la question de la banque de sang, qui est la formation policier leader qui pourra sensibiliser l'autre policier, sensibiliser le monde pour capable aider nous monter banque 200 ça formation ça qui t'a fait le 6 août qui a venu là et il a reporté pour l'autre week-end. Pour qui ça? Parce que la police institution voulait rejoindre Sinapoa dans projet ça, dans initiative ça. Il a fait connaître que gain matériel qui est disponible pour capable conserver sang au niveau de l'hôpital la police là qui a bon repos. Et autorité policière a été contacté Sinapoa pour dire nous font un campé sur formation en le temps pour visiter l'hôpital là avec Croix-Rouge, avec MSPP à travers CNTS, Centre National de Transfusion Sanguine, et sous coup d'œil Sinapoa pour contrôler l'appareil qui est dans l'hôpital là pour voir effectivement et si nous en mesure pour conserver sang. Au départ, c'était avec Croix-Rouge seulement Sinapoa a réglé les problèmes ça. Maintenant, nous voulons dire à toute policier qui dans toute unité, qui dans commissariat qui était déjà mobilisé et sensibilisé pour formation ça qui t'a fait dans le local Digicel là le 6. Eh bien, en attendant que nous ayons visite ça, nous faisons un travail d'inventaire dans l'hôpital là pour nous voir comment nous sommes capables de conserver sans eau. Eh bien, formation ça lui reporter. Nous avons une visite ça pour nous capables de fournir regarder pour nous voir est-ce que moyen yo di yo yo disponible et yo adéquat. Sinapoa a fait tout policier yo connaît que il y a travail pour yo, a travail pour bien-être yo et nous prend question banque de sang ça à cœur parce que dit qu'on difficile leur on police victime dans intervention dans opération c'est au monter descendre qui gagne pour capable joindre sang. Nous voulons résoudre problème ça. Policier dans toute unité commissariat on nous mobiliser pour que programme ça li capable yon réussir. N'attendons un petit temps et sous peu Sinapoa a performé du suivi qui a fait dans question ça. L'autre bagaille nous voulait aborder Sinapoa a dénoncé une pratique qui a développé là et depuis plusieurs mois nous a dénoncé finance. Parce que nous remarquons depuis plusieurs mois, c'est chaque 42, 45, 50 jours, la police a touché. Nous-mêmes qui sommes comme journalistes et tout le monde qui a suivi, nous connaissons dans quelle situation d'insécurité généralisée, contexte difficile, un policier qui a travaillé. Et la police, c'est une institution, pour ne pas dire seule institution, qui était debout dans le pays et qui a fait travailler, qui a accompli la mission correctement. Nous n'avons pas capable de comprendre comment, au niveau de finances, pour gagner et pour policiers à toucher 45, 42, 48, 50 dans l'autre mois. Message syndicat lancé ce matin à l'autorité de la police. C'est pour être capable de jouer avec finance pour être capable de résoudre la question qui fait un pile policier plein. Nous ne pouvons pas oublier passer mais prendre BNC tout.
qui c'est une autre pratique que nous avons dénoncé dans la question de 4, la police qui a prépayé BNC. Actuellement, là, dans toute BNC au passé, vous rentrez dans BNC pour faire n'importe quelle transaction, pas de problème de signal, pas de aucun inconvénient. Mais depuis les policiers, le personnel administratif, ils rentrent dans BNC pour régler affaire 4 litres, un seul problème, pas de signal, pas de signal. Ça vient faire un pile policier à plein banque, ça qui baille un problème. Gagne BNC dans le sud, dans Grand-Anse, Gonaïve, banque ça a fait connaître que pas de fiche pour capable remplir pour les policiers sont capables de faire retraite. Ça c'est responsabilité et ressources humaines dans l'institution, c'est responsabilité personnelle et directeur personnel dans l'institution qui pour achita avec staff BNC, avec conseil d'administration BNC pour résoudre le problème ça pour que les policiers nous yo suspendent plein de problèmes ça. Bagaille ça, fait policier, j'aime ce dia, rempli banque, nous fatiguer à question ça, et nous exiger que le problème ça, nous j'aime une solution avec la rapide. Policier nous, yo doit servir dans respect, dans dignité, parce que yo a servi un pays, yo a servi une population. N'a fini, pendant n'a dénoncé silence, autorité. Silence au commandement la police, silence CSPN. Sous cas plusieurs policiers qui sont victimes des actes d'insécurité généralisée, des actes de banditisme qui gagnent presque sur tout le territoire pays, gagnent un silence total de l'autorité. On n'y est pas annoncé comme mesure pour répondre à situation ça que la police là, policiers particulièrement a fait face. Nous demandons aux policiers pour faire la confiance, faire institution en confiance parce que nous avons fait métier des armes, nous devons discipliner, nous devons faire en sorte que nous ayons envie pour nous capables de servir et desservir la population. Donc nous croyons que matin, nous, les syndicats policiers, utilisent voix moins comme porte-parole à Sinaboa, voix coordonnateur, staff là qui sous table pour capable faire passer les revendications et dénoncer ça qui dénonce.